beaucoup évolué au courant des 40 dernières années. Avec Nadia Comaneci, qui a révolutionné le monde de ce sport en atteignant un score parfait à la barre. À cette époque, on croyait qu'elle avait réussi l'impossible et que personne ne pourrait à ce jour la vaincre. Cependant, les attentes au niveau de la performance gymnique ne sont plus les mêmes. Non seulement il faut être bonne dans son sport, il faut être la plus performante, la plus rapide, la plus forte et la plus musclée. L'aspect gracieux et élégant de ce sport a perdu tout son sens au courant des 10 dernières années. Ces phénomènes nous ont amené à nous pencher sur la question qui suit. Les gymnastes ont-elles trop de pression liée à leur performance gymnique? Je m'appelle Daphné Daou, j'ai fait la gym de l'âge de... J'ai commencé quand j'avais 16 mois là, dans un cours mommy and me, puis j'ai arrêté quand j'avais 15 ans. J'ai fait de la trampoline aussi parce que j'ai dû changer à cause de blessures. Puis en trampoline, j'étais environ provincial, pré-national. Puis en gym, j'étais en P4, si je me trompe pas. Oui, en P4, ce qui est niveau provincial. Je m'appelle Alice Dugal, j'ai 14 ans. Je suis en P7 en gymnastique et ça fait 8 ans que je m'en fais. Pourrais-tu nous parler de ton ancien horaire d'entraînement? Je m'entraînais environ... la majorité de... Quand je m'entraînais quand j'étais plus vieille, environ 20 heures par semaine. Fait que 5 à 6 jours par semaine. Pendant des années, c'était 6, mais majoritairement, c'était 5 jours par semaine. L'été, c'était plus environ 22, 23, mais sinon... Puis en trampoline, c'était 15 à peu près par semaine. Le lundi et le jeudi, je m'entraîne pendant 3 heures et demie. Et le vendredi, je m'entraîne pendant 4 heures. Le dimanche, je m'entraîne pendant 5 heures. Donc, ça fait 5 cours de gymnastique et 16 heures et demie. Gym. Est-ce qu'il t'arrivait souvent d'avoir à faire des sacrifices pour la gym? C'est sûr, parce que dans ma semaine, on me coupait comme 20 heures. Fait que c'était 20 heures à faire des devoirs, à avoir des amis, à faire d'autres activités. Fait que non, c'est sûr que ma seule journée de congé, des fois, je la prenais pour faire des cours de danse, de ski. Fait que j'avais pas le temps de me reposer ni de faire mes devoirs, mais c'est sûr que je devais les faire. J'étais rushée. Sinon, mes amis, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Des fêtes d'amis quand j'étais petite, j'en ai beaucoup manqué. Ou juste des activités, des sorties même de famille. Ça coupe un peu partout, là, fait que c'est beaucoup de sacrifices. Donc c'est sûr que des fois le vendredi, j'aimerais sortir avec d'autres amis. J'en ai ici au gym, j'aime ça m'entraîner avec eux. Mais des fois sortir du gym aussi, là, c'est bon. Est-ce que tu étais souvent blessée à la gym? Oui. J'étais quelqu'un qui me blessait très facilement, là, fait que mes os étaient fragiles, j'imagine. Là, mais ouais, j'ai comme... des opérations au coude. En ce moment, encore aujourd'hui, j'ai des problèmes avec mes genoux, mes poignets, mon dos, mon diaphragme, mes côtes, comme j'ai un peu partout, là. J'ai déjà eu une entorse au dos qui a duré 2 mois à peu près et je me suis foulée la cheville 2 fois. Quelles en sont les répercussions à ce jour? Comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai encore mal à certaines places. Par exemple, juste monter les escaliers, pour moi, il y a des jours où c'est une très grosse tâche. Je me blesse, je suis fragile à plusieurs endroits parce que j'ai eu trop de fractures de stress ou des entorses ou tout ça. C'est juste que je me blesse plus facilement aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir sous pression à la gym? Si oui, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de moments où tu t'es senti ainsi? C'est sûr, la gym, c'est un sport de perfection. Fait qu'on va jamais pouvoir atteindre notre objectif. On peut toujours aller plus loin. Fait qu'il y a certains entraîneurs, là, je ne veux pas généraliser, il y en a qui sont vraiment bien, puis il y en a qui savent comment s'adresser aux jeunes, mais il y en a d'autres qui ont un peu moins la twist, disons, puis qu'ils vont te faire sentir plus personnel, que c'est comme si c'était un échec à leurs yeux. Fait que là, c'est sûr que ça sent la pression dans les compétitions ou dans. Surtout quand on est en compétition, puis il y a plein d'autres clubs autour, tu te ressens un peu. C'est sûr qu'il y a des juges. Fait qu'évidemment, tu es jugé, tu ressens la pression, mais aussi en entraînement auprès. J'ai des chanceuses, moi par exemple, ma mère ne m'a jamais mis de la pression, mais je sais que c'est le cas pour des gymnastes, mais je dirais plus que la pression venait des entraîneurs. Au gym, pas tant, les coachs sont relativement gentils avec nous, mais parfois encore, on va se mesurer à d'autres gymnastes qui sont plus forts que nous pour essayer de les battre. Alors, serais-tu prête à dire que tu regrettes d'avoir fait de la gym? Non, je regrette aucunement, je le referai demain matin, on me pose souvent la question, puis... Malgré toutes les blessures puis les sacrifices que j'ai dû faire, c'est un sport qui m'a appris tellement de choses. Je me suis fait des amis que j'oublierai jamais, là, avec qui je suis vraiment très proche encore aujourd'hui. Puis je pense que dans ma vie en général, ça a eu beaucoup d'impact sur la façon dont j'agis, que je travaille avec les gens. Puis je recommencerai demain. Qu'est-ce qui te motive à continuer de faire de la gymnastique? C'est sûr qu'avec les années qui avancent, on fait des amitiés, puis on continue de s'entraîner avec les mêmes personnes pendant plusieurs années. Puis j'ai l'impression que c'est surtout ça qui nous garde ensemble, qui nous donne envie de m'entraîner.
Mais aussi, c'est vraiment comme, j'ai l'impression que c'est comme un sport que quand tu commences, tu veux comme plus arrêter. Voilà. Sentiez-vous parfois que votre enfant ressentait de la pression par rapport aux entraîneurs, à l'horaire d'entraînement ou autre chose? Oui, définitivement. La gymnastique, c'est un sport extrêmement exigeant, sur le corps. Alors, il y a des gymnastes qui se ramassent toutes jeunes avec des fractures de stress au niveau du corps. Ça, c'est sans compter les blessures au quotidien. Comme par exemple, quand on voit une gymnaste avec du tape sur les jambes, ben, en général, c'est parce qu'il y a une blessure. Ça peut être au poignet, ça peut être... au niveau de l'horaire d'entraînement, ben là, je vous dis pas qu'est-ce que c'est que de devoir jongler avec la routine du travail, des études, des devoirs, les entraînements, parce que bon, rendu à un niveau compétitif, il y a beaucoup d'heures d'entraînement que la gymnaste doit consacrer à son sport. Et les entraîneurs sont pas négociables sur les heures d'entraînement, peu importe le fait que la gymnaste ait aussi des devoirs et des leçons et qu'au final, ben, l'école, c'est tout aussi important que la gymnastique. Mais pour l'entraîneur, ce qui est le plus important, c'est la performance. Donc...